Alors, bonjour. Bonjour. Il y a eu des tas d'emmerdes. Il y a eu des tas d'emmerdes. Alors, on a tout enregistré hier. Sauf que, premièrement, j'ai voulu brancher une manette PS4 parce que monsieur est consoleux. Il se trouve que la manette PS4 est reconnue par mon ordi comme une enceinte. Du coup, pas de son, mais le jeu me fonctionnait bien. On a du coup enregistré une partie. Sauf que, bon, là, Camtasia a décidé de dire merde, de corrompre le fichier. Exactement. Donc, là, aujourd'hui, j'ai tout réinstallé. J'ai désinstallé et réinstallé le jeu parce que je voulais faire passer le son via son écran, son magnifique écran. Hein. Oui, voilà. Le jeu plante et ne produit aucun son. Et en fait, c'est la faute de son écran parce que là, c'est avec le son de l'ordi qu'on a ce qui sort. Du coup, on va enfin pouvoir refaire un truc sur M&M's. Alors, M&M's, bon, je vais réexpliquer, c'est mon Crash Bandicoot. C'est littéralement Crash Bandicoot. T'as essayé hier, t'as surtout voulu faire un niveau mathématique. Oui. Et quelle est ta première expérience sur ce jeu? Moi je dis que c'est un bon petit jeu, au moins pour les enfants qui peuvent s'amuser sans trop ressentir la difficulté, même si j'ai chié sur un niveau plateforme. Parce que les plateformes, vous allez voir, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont durs, il y en a qui sont... Par contre, j'ai bien aimé le niveau voiture. Alors là, c'est dommage que le fichier soit corrompu parce qu'il y avait des beaux petits trucs en voiture. Je sais pas si je pourrais les refaire, mais c'était magnifique. Il y a des trucs. Du coup, on va faire quelques niveaux. Je vais quand même te demander de refaire un niveau en voiture. Mais attention, celui-là, c'est le plus dur. Ah, parce que là, tu pensais que le niveau 1 déjà, il était quand même dosé. Celui-ci, on est au-dessus. C'est-à-dire, on est plus dans une ville. On est dans. Comment ça? On est sur une route qui est un peu en chantier, quand Ouais. même. C'est-à-dire, il y a des ponts pas finis, Ah il y a oui. des tremplins, il y a des voitures qui ne respectent pas le code de la route. Ah bah c'est normal, hein. Voilà. Sinon ça serait pas Alors, les touches ont été remises par défaut parce qu'on n'a pas eu le temps de reconfigurer. Et si à un moment la caméra lâche, et bah tant pis. Tant pis. Voilà. Parce Ouais, qu'on a beaucoup trop d'emmerdes sur ce jeu. voilà, c'est ça, c'est le jeu C'est maudit. ça. Est-ce que Nestlé a un problème avec les M&M's? Je sais pas. Ah, là, il y a le son qui arrive. C'est... Voilà. Ah. Oh, regarde. Alors, tu es toujours en voiture. Nous contrôlons jaune, le M&M's cacahuète, hein, et rouge, le M&M's chocolat, noir. Sûrement, Ah, c'était... ça y est, je commence déjà à faire des trucs là. Ouais, alors ton boost il sera très très utile sur ce niveau. Je pense pour passer les précipices. Alors il y a de ça, mais il y a aussi pour passer des camions qui vont sûrement arriver dans pas longtemps. Avec la musique tellement Ah, mais incroyable. la Ah mais musique je c'est. l'adore. La musique c'est le point fort. La Les musique camions c'est le point fort. camions aussi c'est mon point fort. Ah, on aime les camions. Les bons gros camions. Voilà. Alors, je l'avais réexpliqué, il y a aussi une version PS1 du jeu qui est M&M's Shell Shock qui inclut des boss qu'il n'y a pas dans la version PC, sûrement pour des raisons de type hey, Voilà, PlayStation, c'est la console des gamers. voilà, en fait, comme j'avais expliqué lors du premier essai vidéo, en gros, les jeux PC, principalement à l'époque, c'était plus des jeux vraiment avec des gameplays simples, un peu éducatifs, tout ça, donc il fallait que ça soit accessible aux plus jeunes, quoi. Et donc, pour moi, version PlayStation et le rajout de boss fait que bah, le PlayStation, c'est pas une console qui est accessible à tout le monde. Et surtout que ça a des commandes un peu plus compliquées que des touches directionnelles sur un clavier, la touche espace, quoi. Donc. Alors pour passer la suite de trois camions, en fait, il faut utiliser le boost à mort, à mort, à mort pour arriver devant le camion, devant toi. Ah, ok. Ouais, c'est la seule stratégie que j'avais trouvée à l'époque. Donc vraiment, faut bourrer le machin. Ah, ça va être tendu cette histoire. Ah, faut vraiment faire ça dès le début. Faut passer devant ce camion. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ah, excuse-moi, Oh mais... là là, oh la course! Oh! Et là tu te ranges et puis t'as passé les camions. Et là c'est la première difficulté du jeu. Parce qu'il y en a d'autres. Hein? Sinon c'est pas assez drôle. Oui, voilà, Est-ce que tu vas exactement. au moins arriver jusqu'au checkpoint déjà? Bah... C'est-à-dire qu'on l'a toujours pas eu.
Oh, caisse... Ah non, c'est une caisse bleue. Bon bah j'ai rien dit. Magnifique. Ah non. Ah t'as fouté. Ah, il ne faut pas faire le boost à ce moment précis. Bah je pensais que en fait ça allait pas faire un boost auto en fait. C'est ça. Mais non, ça c'est le piège. Donc là maintenant faut recommencer. Faut recommencer. J'ai pris le poteau. Oui. Le poteau. Là dans le. Comme dirait un grand commentateur, où ça? Dans le poteau. Où ça? Dans le poteau. Où ça? Dans le poteau. Mais est-ce qu'on peut dire que quand j'ai fait le boost avec le tremplin, est-ce que je suis passé par-dessus la troisième corde? Passé par-dessus la troisième corde de la montagne. Exactement. Du tunnel, le boost, dépêche-toi. Oui. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Oh, 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 oh. Alors ça, bravo, jamais je l'ai fait ça. Ah mais il fallait que je tente quelque chose. C'était vraiment le dernier recours. Non mais pas mal. Le beau jeu. La stratégie avant tout. Exactement. Regarde-moi cette eau bien animée. J'ai même pas fait gaffe à l'eau, j'étais. J'ai entendu le petit son du checkpoint. C'est bien, t'as passé le premier checkpoint. Ouais, bravo. Alors, on est vraiment sur un tunnel en construction. Il y a de l'eau partout, il y a des bouts de route pas finis. Du coup, on passe sur des ponts. Des ponts qui s'écroulent d'ailleurs. On les entend. Ah là là, dans le ravin. T'es pris le million du ravin. Ouais. Non, c'est normal, ça boucle. La musique boucle cependant sur ma version, parce que je sais pas. Est-ce que j'ai esquivé de justesse? Tu l'as bien esquivé de justesse. Voilà. Donc est-ce qu'on peut dire que c'était un repris de justesse? Bravo. Bravo, t'es content? Oui, exactement. Ah, il faut. Ah, il faut. Il en faut peu. Ah, j'avais même pas pris de checkpoint. T'avais même. Ah oui, donc t'as vraiment voulu faire le beau jeu jusqu'au bout. Ah bah. T'as raté la vie. Et enfin, voilà, j'ai raté ma vie. Heureusement qu'il y en a d'autres. Et donc, la pub pour les M&M's partout, parce que nous sommes dans une société consumérisme basée de chocolat. Oh, quelle eau. Sinon, les musiques. Alors, attention, le tremplin. Oh, passer par-dessus, par-dessous. Oh là là. C'est beau. Je suis. T'as pris le caillou. Il a pris le caillou. Malandé les cailloux. Mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est bien sûr en fait. Voilà. Putain, mais comment t'as fait? Mais comment tu fais? Je sais pas. Je fais des trucs, même moi je me demande si comment ça se fait que je l'ai fait. Mmh. Au moins on peut admirer la magnifique musique. Ah mais les musiques de jeu c'est la seule chose à retenir. Le gameplay après, voilà. Oh, il a une vie. Oh là là. Et le checkpoint. C'est bon, j'ai entendu. On est aux deux tiers là. Ah. Ouais, on est aux deux tiers du niveau. Wow. Ah, ça aurait été beau. Ça aurait fait de beaux jeux. Il a fait le beau jeu. J'ai fait le beau jeu. Ah, il est bien. Ah, il faut que je montre un peu mon skill quand même. Le peu que j'ai déjà. Ouais. Alors là, c'est... Il y aura un virage un peu compliqué à prendre. Ah, ouais, alors là, tu seras obligé de faire un petit peu de initial D, de drift. Ah d'accord, okay. Ah, ouais, déjà vous. Un petit peu de déjà vous, je vais voir. Tu vois, le virage, ah, oui. Droite-gauche sur la fontaine. Oh, c'est oh bon. Là là. Oh là là, et tu as fini le niveau. Regarde. Oh, c'est beau. Pour te récompenser, une cinématique. Oh, c'est beau. Ouais. Oh. Regarde ça. Petit flip arrière en sortant de la voiture. C'est et rouge qui arrive en hélico. Attends petit gars, faudrait peut-être voir qui est le meilleur bonbon pour ce boulot. Faudrait peut-être mieux qu'un vrai expert s'en occupe. Un fonceur. Non, en fait t'as raison. Vas-y toi. L'enfoiré. Les miracles ça arrive. Tous les jours, c'est connu. Tu sais. On est fait. Bon, t'as fini un niveau. Ouais. Et je pense que c'est bien parce que je vais changer la pile.
Oui. Voilà. Avec une demi-pile en charge. Voilà, il faut changer les piles. Voilà, donc du coup, on revient. Donc, après avoir changé la batterie, voilà. Finalement, tu veux faire un niveau de maths plateforme. C'est ça. Et ben dans ce cas, vas-y. Hop, attention. Par contre, on n'a toujours pas changé la difficulté, mais donc je pense que ça va être un truc genre addition niveau 1. D'accord. C'est genre le truc le plus basique qui existe. C'est-à-dire que si tu rates un calcul, j'ai le droit de me moquer. Voilà, c'est voilà. Ça. J'ai le droit, ma maman elle a dit que je peux. Ouais, mais normalement, ta maman doit dire que c'est pas bien. Ah non, c'est toujours multiplié. Ah, bah on va voir. Six fois 12, donc ouais. Ça fait 72. Hein ? 5 fois 12. J'ai le droit de me moquer. J'ai le droit de me moquer. Non, mais c'est moi. Moquez-vous de lui. C'est bon. Ouais. T'as passé le premier. Ouais. Je vais me moquer quand même. Hein. Ah, encore multiplication. Ah oui. 11 fois 12. Quoi ? Ah oui, ouais, c'est ça, ouais. 11 fois 12. Yeah ! C'est... Généralement, enfin, si jamais hein, y a du speedrun, c'est pas compliqué, il suffit juste de prendre la... J'ai pas écouté. Genre, tu montes là, t'es sûr que ça va être les 3 là ? Alors sur ces niveaux-là, oui, c'est toujours les chiffres en avant. Par contre, il y a des niveaux de mathématiques où c'est des rangées de 5. Et donc, il se peut qu'ils te fassent aller deux fois vers la gauche ou la droite. Voilà, et c'est la fin du niveau de mathématiques. Du coup, tu vas pouvoir faire mon niveau favori, que je suis capable de finir en 2 minutes. Voilà. Ah ouais. À 2 minutes, parce que je connais le jeu. Hein. Donc, c'est... Pour l'histoire, c'est là où quand j'ai fait la première fois, je suis resté bloqué parce que j'ai jamais réussi à le passer. D'accord. Après, 10 ans plus tard, j'ai refait le jeu, j'ai fini le niveau. Et je suis resté bloqué à un moment au 8-3. Pour des raisons qui sont différentes. Voilà. Parce que le jeu est beaucoup plus dur. Et petite musique de genre. Ah, par contre, là, c'était pas... Ah oui, alors il y a un saut et puis il y a l'attaque qui doit être beaucoup plus loin. Genre c'est pas A par hasard. Attends, on va modifier les touches hein. Attends. Ouais. Ah oui, alors attends. Oui, alors. Ça je vais t'apprendre un truc. Je sais pas ce que t'as fait, mais tu l'as fait. Je sais pas ce que t'as fait. Est-ce qu'on viendrait pas de faire un truc qui s'appelle... Alors ça, c'est encore un truc que je sais pas. Donc attends, t'as fait avant-échappe. Avant-échappe. Et là, imagine, je passe ce niveau comme ça. Ce serait beau. Ok, et maintenant fais quoi ? Ah, non. Dommage. Oh. Bon, alors oui, il y a un truc comme ça dans le jeu où si tu fais pause et que tu bouges le décor avec ta souris, tu peux voir toutes les textures du niveau. D'accord. Et ça, c'est cool. Je te montrerai juste après. Alors, je vais te montrer quand même ça, parce que moi, ça me fait délirer. Parce que quand tu fais pause et que tu déplaces ta souris, tu peux voir tout l'entièreté du niveau à la main. C'est marrant, moi, j'ai découvert ça très récemment. Tu peux voir un petit peu comment tout le bordel est fait. D'accord. Et par contre, quand tu reviens dans le continuer, bien sûr, il te met là où tu étais. C'est voilà, c'est des petits trucs comme ça qu'on... Et t'as fait... D'accord. Je sais pas. En fait, j'ai perdu une vie. Tu veux dire qu'il y a une touche pour se suicider? Je pense que c'est parce que j'ai fait ça, après continuer. Donc là... Trois fois. Non, c'est bon. Ça fait trois fois qu'il me fait un truc que je savais pas. Non, ça va. Donc, Darwich, t'as sauf-bloqué. Nitro Family, t'as saturé la RAM du jeu. Et là, tu m'as fait... Je ne comprends pas comment il fait. Si vous avez... S'il y a des speedrunners, parce que je sais qu'il y en a, le jeu est speed...
Qu'est-ce qui se passe? Moi je pense que je vais arrêter. Voilà, c'est ça que tu dois faire normalement. Je sais pas comment tu fais. Bah moi non plus, je sais pas comment moi je fais. Alors là tu peux tomber dans le chocolat, fais gaffe. Alors on répète que ce jeu est inspiré de Crash Bandicoot, hein, sur... Je pense que t'as dû, avec ton truc de... ton échappe avant, à chaque fois que tu te fais toucher, on ne voit pas la mort. Mais jaune, je suppose, hein, jaune ira toujours en avant. C'est-à-dire que là, techniquement, il a toujours sa collision, mais quand il se fait toucher, il avance. Bravo. Bravo, Rubius. Bêta testeur de l'extrême. Des vieux jeux, hein. Exactement. Oh, ça, tu joues bien, tu joues bien, tu as la technique, là. T'as touché les pales. Non, maintenant, vous avez cet écran de mort à chaque fois. Voilà, t'auras testé que 3 niveaux, mais t'auras réussi à tout casser, quand même. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors ça, on peut s'amuser avec les tapis roulants, avoir un boost de vitesse quand on est dessus et qu'on appuie sur saut. Voilà. Alors, maintenant, je pense que je vais arrêter. Hein, je pense que c'est toi qui vas tenir le micro. En plus, j'étais presque à la fin. Voilà, tu vas tenir le micro et maintenant, je vais te montrer comment on run le jeu. Alors, vas-y. Speedrun de extrême, attention. Le jeu, 3, 2, alors, attends. Hop, ok. C'est parti. Oh là là. Ouais, alors, j'ai fait ce niveau parce que c'est le seul que je connais. Exécution un peu tard. Ah, raté. Ah. Non, mais c'est bien, au moins on aura cette mort à chaque fois. Non, mais je te dis, je fais des trucs qui sont inédits. Ouais, c'est quand même fou. Hein. Ah non, mais j'arrive à. En fait, c'est quand je touche des jeux, j'arrive à les casser sans vouloir. Est-ce que t'as déjà réussi à faire ça sur un jeu PlayStation 4 par exemple? Ouais. Ah, bravo, nickel, j'en ai marre. J'avais réussi à faire en sorte d'être de passer en dehors de la zone de collision d'un objet et fait que du coup je suis passé en dessous de la map et qu'il a fallu que je recommence le jeu parce que ça avait save lock. Et du coup, quand je rechargeais la sauvegarde rapide ou même la sauvegarde normale du jeu, bah, j'étais en dehors du jeu. Ah, c'est pas mort. Alors que je suis à la fin, ce qui est moche. Alors là, donc tu as vu ce qui m'attend, je pense, c'était pas voulu. Voilà, c'était une caisse de TNT. Voilà, non mais la caisse de TNT, c'est toujours fourni. Hop. Voilà, alors c'est là où... Voilà, ça va vite pour certains. Une exécution... Ouais, j'ai glissé, chef. Ouais. J'ai glissé, chef. Ouais. Alors là, par contre, la perspective, elle est... Ouf, Fred. Hein. Oh là là. Oh là là. J'ai quand même trompé de touche. Oh. Je me suis trompé de touche, chef. Attention, c'est ta dernière vie. Là, je sais que je peux faire un truc avec la caisse de TNT qui est de marcher dessus, toujours avec la caisse de M&M's. Ah, attention. Le beau jeu. Attention. Oh là, C'était donc le niveau. Alors, je suis mort, ce qui est dommage. Mais, non, mais bravo, belle exécution. Bon, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça, quand même? Alors, oui, sorte des égouts. Hein. Ah, Big Boss Game, j'ai pas jamais compris. J'ai confié la direction de l'usine au Mini. Il a délégué. C'est la marque du directeur, c'est de lui. Il saccage tout dans l'usine. C'est l'occasion de revoir nos plans d'urgence. Je ne sais pas quoi faire, je vous en supplie, aidez-moi. Oh, pitié. Les directeurs d'aujourd'hui ont droit d'admettre qu'ils n'ont pas toujours raison. Je suis un gros imbécile jaune. Voilà. Et ça, j'étais content de l'avoir à l'époque. Bon, je pense qu'on va rater le massacre. Ouais. Donc,
Le bilan. Maintenant, on va se remémorer chaque instant. On l'a. J'ai fait menu et pourtant ça m'a fait continuer. Voilà, des petites les cinématiques sont vraiment bien. Allez, regardez sur YouTube, je crois qu'elles sont dispo en français. On va pas faire bonne chance parce que c'est un niveau roulant. Et qu'il y a une notion de vitesse à prendre en compte. D'accord. Mais le débrief de ce sympathique petit jeu. Donc là, en fait, tu m'as cassé le jeu depuis. Tu m'as vraiment cassé le jeu. Tu m'as vraiment tout cassé le jeu, hein. Merci beaucoup. Il plus que j'ai cassé la sauvegarde, vu que ça fait tout le temps ça à chaque fois que tu lances le jeu. Non mais t'as vrai. Alors, moi ce que je retiens c'est que t'as réussi un niveau, t'as voulu tester un truc et puis tu m'as cassé le jeu. Donc là, clairement... Non mais je pense qu'on peut pas faire mieux que ça. Voilà, donc on répète, hein, un bon jeu. Voilà, j'ai cassé Blair Witch et j'ai cassé les M&M's. Voilà, et il a saturé la RAM de Nitro Family. Et j'ai presque cassé Nitro Family. T'étais pas loin de planter de Nitro Family, je pense. Donc conclusion... Je reste avec mes consoles et toi avec ton PC. Voilà, parce que moi je suis calme et lui non. Ah non mais je suis calme hein, mais c'est juste que je te dis je quand je vois des boutons faut que j'appuie dessus donc je dois tester des trucs et voilà. Des fois ça donne des trucs. C'est une... Je pense que ça il me l'avait... ça par contre au premier essai il me l'avait jamais fait. Quelque part, je suis content qu'on ait fait un deuxième essai et qu'on ait eu tous ces malheurs avec ce jeu. C'est ça. Bien, bah merci d'avoir suivi ces vidéos. Mettez en commentaire à quel moment vous avez le plus apprécié, même si j'ai envie de dire que tout est appréciable à partir du moment où t'as cassé le jeu. Exactement. Abonnez-vous, pouce bleu. La cloche, voilà. Le Twitter, le Utip. Non, j'ai pas Utip. Non, mais moi si. Ouais, mais y a plus de pub. Ouais, mais c'est pas grave, petite piécette. Quand même. Donner de l'argent. Voilà, donner de l'argent. Voilà. Et puis. Que c'est pour une bonne action. Oui. L'argent sera directement reversé sur mon compte pour me permettre de pouvoir continuer à faire des vidéos. C'est déjà pas mal. C'est ça. Bah, du coup, des bisous. Des bisous. Et puis arrêtez de casser les jeux. Sauf si vous êtes runner. Exactement. Y'a que les speedrunners qui le peuvent. Voilà. Qui ont le droit. Mais t'es pas speedrunner, toi c'est. Vas-y, j'étais speedrunner. Ça m'inquiète un peu, ça fait un moment en plus. Ça pique les stories. Cœur. Cœur. Tu m'as cassé le jeu quand même. Ah putain, bravo en tout cas. Je ne comprends pas.